Ces branches, issues de la taille d'arbres fruitiers, ne seront pas la proie des flammes. À AFA, les déchets verts sont transformés en broyat. Cela permet d'éviter l'émission de fumée dense dans le village. Pour le propriétaire du verger, ce procédé procure de la ressource agronomique. Tout ce qui a été broyé est réparti dans le jardin. Voilà. C'est de l'engrais ? Je ne sais pas si c'est de l'engrais, mais enfin, on met autour des arbres, donc je ne sais pas. Je pense que ça protège un peu de l'herbe, après ça se met dans la terre et tout. Deux jours par semaine, au début du printemps et durant l'automne, le broyeur va gratuitement de jardin en jardin. L'opération est financée par l'ADEME, l'Agence de la maîtrise de l'énergie, pour la Sochu Ayutu Campagnolo. Cela a été l'opportunité de se reconvertir. Nous, on est une entreprise d'insertion à Bocognan, qui au départ avait été créée pour revaloriser la châtaigneraie. Depuis le Synips, les récoltes se font rares, et donc on s'est un peu diversifié dans le nettoyage et dans les espaces verts. Pour le CPIE d'Ajaccio, le Centre Permanent d'Initiative à l'Environnement, l'objectif est d'étendre le procédé à d'autres communes en communiquant sur les avantages d'un broyeur, amélioration de la qualité de l'air, production de broyat, mais aussi réduction du risque incendie. On voit qu'aujourd'hui, il y a des risques incendies, même l'hiver, particulièrement cet hiver, particulièrement il y a 2 ans. Donc ça touche plus fortement les gens et on sait que... selon les années, entre 30% on va dire, des départs de feu sont dus à des écobuages l'hiver. Pour AFA, les financements cessent à l'automne, mais l'opération pourrait se poursuivre avec la mise en place d'une régie communale.